Attention, cette vidéo est strictement interdite aux joueurs du grenier. Merci de votre attention. Re, la première vidéo vous a plu, alors on continue. Logiquement, il devrait faire moins d'erreurs que la dernière fois. Ou en tout cas, pas les mêmes erreurs. On va voir ça tout de suite. Ne vous inquiétez pas, ce coup-ci, je peux vous affirmer que ça va bien se passer. Voilà, cette fusée, je peux affirmer qu'elle va aller dans l'espace. Aïe, il commence directement par une erreur qu'il a déjà faite la dernière fois. Il a mis des réservoirs qui ne contiennent que de l'ergol liquide. C'est du carburant d'avion. Donc toute la partie centrale ne sert à rien. Il n'y a que les boosters sur les côtés qui vont s'allumer. Allez, envole-toi, petit oiseau! Et il y a déjà une deuxième erreur. On le voit dans la file des séquences. Il active tous les composants en même temps, alors qu'il faudrait mettre plusieurs niveaux. Et notamment, il active celui-là. Très bien, les parachutes se déclenchent, tout marche comme prévu. Parce que là, le lancement est impeccable. Le meilleur moyen pour que le parachute se décolle pas au décollage, c'est encore de supprimer le parachute. Et voilà! Ok, mais je préfère quand même ma méthode. Allez, fusée suivante. Regardez, alors ça c'est un truc que j'ai découvert qui est fantastique. Toggle RCS, ça permet, je crois, de stabiliser. Non, c'est pas les RCS qui stabilisent, c'est le SAS. Les RCS sont des petits moteurs qui servent notamment à faire des translations. C'est utile pour les amarrages, mais c'est pas très efficace pour stabiliser. Alors que le système d'aide à la stabilité, c'est un système qui aide la stabilité. C'est logique. Le bouton d'allumage est sur la droite, et les commandes sont sur la gauche. Nique ta mère. La gauche, la droite, là, moi j'aime pas ces trucs. Ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Attendez, mais c'est une réussite totale. Mais c'est une réussite totale. Fusée, fusée, ici Houston. La mission est une réussite absolue. Vous partez vers l'espace. Le solid fuel est bientôt terminé, on va activer le moteur suivant. Stop. Regardez cette zone de l'écran. Elle indique le niveau de braquage de la fusée. Non, pas ce genre de braquage, enfin. Et puisqu'il a allumé la stabilisation, ces jauges indiquent le niveau de saturation du SAS. En fait, il faut se dire qu'un décollage de fusée, c'est un peu comme une lutte entre la stabilisation et l'instabilité. Et il faut que la stabilisation soit constamment supérieure à l'instabilité. Mais quand une aiguille de braquage atteint le niveau maximal, ça signifie que le SAS est saturé, et donc il ne peut plus contrer l'instabilité de la fusée. Et c'est exactement ce qui se passe ici. La stabilisation est saturée, ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à un décrochage dans la seconde qui suit. Voilà. Donc ça c'est normal, parce que quand il n'y a plus d'essence, ça fait ça en fait. Attendez. Si cette fusée était instable, c'est parce qu'il n'y avait que les boosters qui brûlaient. Les boosters, ça fournit de la puissance, mais ça fournit pas de contrôle. Et ça c'est une erreur que tout le monde a déjà faite. Il pourrait rendre sa fusée plus stable soit en rajoutant des ailettes, soit en allumant son moteur principal, qui possède une poussée vectorielle. Mais bon, pour ça, faudrait déjà qu'ils mettent le bon carburant. On va faire notre navette spatiale pour commencer. Et ensuite, on fera la fusée qui portera la navette spatiale. Franchement, je lui déconseille de faire une navette, parce que c'est vraiment très compliqué. Une navette spatiale, c'est par principe une structure très déséquilibrée. On est obligé d'ajuster les moteurs de façon à aligner la poussée avec le centre de gravité, pour que ça vole droit. Sauf qu'au fur et à mesure que le carburant brûle, le centre de gravité va se déplacer vers la droite. Et du coup, il faut compenser. C'est clairement pas de son niveau, et on peut être sûr qu'il va se foirer. Là, je pense, franchement, on a franchi une étape, je dirais. Voilà, normalement, je vois pourquoi ça marcherait pas. Mais moi, je vois très bien, ce n'est toujours pas le bon réservoir. Tout ça, c'est du carburant d'avion. Ça marchera pas avec un moteur fusée. Pour comparer les deux systèmes, les avions et les fusées fonctionnent tous les deux grâce à des combustions, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un carburant et d'un comburant. Dans le cas d'un avion, on a seulement besoin d'embarquer le carburant, et pour le comburant, on va simplement prendre l'oxygène de l'air, qu'on récupère avec des entrées d'air. Et c'est pour ça qu'il y a des entrées d'air sur les moteurs d'avion. Mais dans le cas d'une fusée, on a besoin d'une combustion beaucoup plus forte, et l'oxygène de l'air ne va pas suffire, il faut embarquer un comburant beaucoup plus efficace. Dans la réalité, ce comburant s'appelle oxygène liquide, ou alors peroxyde de je sais pas quoi. Ouais, c'est pas mon truc la chimie, hein. Mais dans Kerbal, ce comburant s'appelle tout simplement oxydant. Retenez bien ça, s'il y a juste du liquid fuel, ça ne marchera pas. Ensuite, on met donc du liquid fuel. No God! Je vais m'arrêter là, j'en ai marre, il apprend rien ce con. J'ai comme un goût amer dans la bouche. C'est amer, enfin ta mère, je parle de l'amertume. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. J'ai vu vos réactions sous mes premières vidéos, je trouve que c'est un début qui est plutôt encourageant. Hé, qui c'est qui a fait ça? Il a même pas écrit pourquoi, moi ça m'intéresse de savoir pourquoi.
Enfin bref, je vous invite à faire les trucs habituels, et avec votre soutien, ça me donnera envie de continuer. Allez, à la prochaine tout le monde!